Au-delà de l'euphorie des rencontres, le projet Provence Basket se joue aussi dans les coulisses du Palais des Sports. Depuis octobre 2012, ce laboratoire porté par le club de Fos-Ouest Provence Basket promeut la discipline à Marseille et aux alentours avec l'objectif d'inscrire une équipe provençale dans l'élite du basket français. On sait qu'avoir une équipe en pro ne suffira pas, il faut qu'on ait une équipe performante et pour ça il faut qu'on ait encore une fois toutes les forces vives du basket fédérées derrière nous. Donc c'est le sens même de Provence Basket avec les différentes déclinaisons. Provence Basket Academy pour associer l'ensemble des acteurs du basket fédéral. Provence Basket Solidarité pour aller chercher au-delà de ça tous ceux vis-à-vis de qui on pourrait constituer une plateforme de développement. Un développement qui passe aussi par des actions vers le grand public. C'est dans ce cadre que s'est tenu le 28 octobre l'un des premiers tournois 3 contre 3 de la saison. Une compétition ouverte aux licenciés et aux fans de basket, des poussins aux seniors, avec à la clé pour chaque participant des billets pour la rencontre du soir. De quoi permettre à tout le monde de s'y retrouver. Déjà sportivement, le but c'est de s'amuser, c'est des 3-3, ils forment leurs équipes, ils viennent se confronter à des joueurs qu'ils rencontrent en championnat, qu'ils connaissent bien, donc c'est plutôt assez sympathique et ça se fait vraiment dans de la bonne humeur. Et ensuite humainement, c'est aussi de voir l'avenir du basket pro peut-être s'installer à Marseille. Une issue qui se rapproche un peu plus, le tournoi a réuni 300 participants parmi les 8 clubs environnants. Et le choc du soir entre Châlons-Reims et Fos a rassemblé plus de 3000 spectateurs, soit la meilleure fréquentation de l'histoire du club. Prochain rendez-vous pour Provence Basket, le 27 décembre prochain.